Donc voilà, d'abord, évidemment, je voulais vous dire qu'on est content de vous accueillir ici à l'Agora. On est content avec une particularité cette année que le service ne m'avait pas signalé, mais mon œil de lynx a vu, c'est que nous sommes sur la 10e année de travail de l'Observatoire social. Donc c'est presque un anniversaire, c'est pour ça que vous avez eu des croissants à l'entrée, c'est pour l'anniversaire. Et je pense que c'est quand même un temps très important que nous avons maintenant l'habitude de passer ensemble sur des formes différentes. Donc cette année, nous avons ciblé pour cette matinée, évidemment plus particulièrement les travailleurs sociaux. Et nous avons adjoint les associations qui travaillent avec nous au sein du conseil d'administration du CCAS ou au sein de la commission extra-municipale à laquelle régulièrement certains d'entre vous sont conviés pour avoir des moments de réflexion tous ensemble. Et puis nous avons adjoint également les gens des centres sociaux, puisque là encore, pour beaucoup, vous travaillez avec eux sur de nombreux dossiers. Donc évidemment, j'ai pas décidé de doubler tout ce que Hugo va vous dire et de vous présenter ça. Moi, je voudrais vous dire voilà, deux choses. D'abord, la première, c'est que pourquoi je considère ce temps très important, c'est parce que vous savez que nous avons de plus en plus la volonté qu'on travaille tous en réseau, qu'on mutualise nos efforts pour répondre le mieux possible aux besoins et aux attentes d'une population qui, évidemment, quand même, pour beaucoup, souffre énormément de la situation de crise que traverse notre pays. Ça, j'y reviendrai pas plus longtemps que ça, puisque je sais que plus que moi, vous êtes conscient de cette situation, puisque vous rencontrez au quotidien ces gens. Pour travailler de cette manière, en réseau mutualisé, évidemment, ce qui est important, c'est qu'on puisse commencer par avoir un diagnostic commun, quoi. Et donc, finalement, cet observatoire, c'est vous livrer ce qu'on appelle un portrait social de notre ville, mais qu'on puisse avoir avec vous un moment d'échange, de réflexion, pour partager ensemble les données qui sont présentées. Donc la première partie de la matinée, Hugo va vous présenter ses chiffres. Cette année, nous avons fait un focus particulier sur la paupérisation de la population. Ce sont des données qui, évidemment, nous inquiètent énormément. Voilà. Et puis, nous avons fait aussi un focus sur une population particulière qui sont les publics flottants. Et un certain nombre d'entre vous ont déjà travaillé avec nous sur ce dossier, puisqu'il y a eu des réunions de travail sur cette problématique particulière des publics flottants. Donc ça sera la première partie de la matinée, et j'espère quand même qu'on aura le temps de vous donner un petit peu la parole pour échanger sur ces questions. Derrière, nous aurons une table ronde. Alors, ils m'ont mis les noms des gens, alors je ne vais surtout pas louper les noms des gens. Je vais prendre 30 secondes pour vous dire que cette table ronde aborde une question qui, pour nous, est complètement essentielle. C'est l'ouverture et l'accès aux droits. Et nous avons partagé plusieurs fois, y compris avec nos partenaires de la CVS, sur le fait qu'aujourd'hui, nous sommes obligés de noter, d'observer que bien souvent, les gens ne font même plus appel à leur ouverture de droit. Je vais prendre deux exemples. Un que m'a donné Hugo, que je trouve tout à fait intéressant. On estime aujourd'hui que 36% des bénéficiaires du RSA ne font pas appel au RSA, pour quand c'est le socle. Et ce taux s'élève à 68% quand on arrive au RSA activité. Donc ça, je pense que c'est des éléments qu'il faut vraiment qu'on ait en tête. Et je crois, et c'est un des projets que j'ai, je crois qu'il faut qu'on ait vraiment un maillage de tous les gens qui travaillent sur les ouvertures de droits, sur l'accès aux droits, sur l'aide aux démarches,
pour nous permettre d'accompagner les gens le plus possible dans le fait d'accéder à leurs droits. Alors, je prends un autre exemple, c'est quand même tout à fait significatif. Au niveau du CCAS, donc Marianne en parlait l'autre fois, moi ça m'a tout à fait intéressée, y compris pour le Fonds social énergie, on se rend compte qu'aujourd'hui, alors que nous connaissons les difficultés liées à ce problème particulier de l'énergie, que nous connaissons la montée des prix de l'énergie, et je pense que on n'est qu'au début des choses, puisque quand même on annonce 30% d'augmentation sur les factures d'électricité pour les années qui viennent, donc ça pose quand même évidemment des problèmes massifs. Nous connaissons des situations de coupure d'énergie, de réduction d'énergie, enfin toutes les situations, et nous avons un appel en baisse pour participer au Fonds social de l'énergie. Et ce que je trouve un peu extraordinaire, le caractère, la partie sociale de Gaz de France, que j'ai bien connue puisque j'ai fait partie de leurs salariés pendant de nombreuses années. Bon, alors eux, ils ont une vision un peu particulière de la solidarité. Ils mettent de l'argent pour qu'on en mette, ce qui permet de payer les factures qu'ils touchent intégralement. Donc, vous voyez, c'est une solidarité bien ordonnée et qui s'organise tout à fait bien pour chez eux. Enfin, en même temps, Gaz de France acte qu'il y a moins d'appels au fonds de solidarité. Donc voilà, ça, c'est vraiment un élément très important. Et donc évidemment, se pose la question de comment les institutions se positionnent par rapport à cette problématique d'ouverture de droit que vous rencontrez absolument tous. Donc pour vous parler de ça, et j'en profite pour vous dire que malheureusement, je vous quitterai au moment de la table ronde, je vous confierai à la vigilance de Marianne. Pour parler de ça, plusieurs cadres du CCAS, évidemment, dont Marianne, mais ils se présenteront à ce moment-là, évidemment, en détail, viendront parler avec vous de cette question. Ils seront accompagnés d'une responsable de la CRAMIF. Ils seront accompagnés également de responsables d'associations. Cette année, nous avons choisi le Secours Populaire pour participer à la table ronde. Mais surtout, ils seront accompagnés aussi par Michel Chauvière, qui est donc sociologue et qui est spécialiste des questions sur le travail social. Je crois qu'on m'a dit de vous, je ne voudrais pas enlever votre titre, que vous êtes directeur de recherche au CNRS. Donc voilà, c'est juste. Bon, c'est très bien. Voilà, donc il travaillera avec vous pendant toute cette table ronde pour qu'on puisse aborder la question du rôle des institutions face à cette baisse des ouvertures de droits. Voilà, donc je vais vous souhaiter une bonne journée de travail. On va nous aller se mettre en face pour pouvoir regarder Hugo travailler. Et donc, j'espère que tout se passera bien pour vous et que vous pourrez avoir un moment de réflexion et d'échange intéressant. Merci. Voilà, alors je ferme mon micro. Tu fais des projections ? Oui, on s'en va. Bien, bah bonjour à tous et merci d'être là pour cette restitution de l'analyse des besoins sociaux, édition 2012. Pour commencer, je vais poser rapidement, je vais passer très brièvement sur cette question, le cadre en fait général de cette étude-là, qui est en fait une étude obligatoire des CCAS. En fait, depuis 1995, le législateur à cette époque-là a considéré qu'il était positif d'imposer aux CCAS de réaliser chaque année une analyse des besoins sociaux, de façon à ce qu'ils puissent mieux connaître la population auprès de laquelle ils interviennent. Donc une obligation réglementaire depuis 1995, et il se trouve en fait qu'en France, seuls 30% des CCAS procèdent à cette analyse. Donc c'est quelque chose de très rare en fait. Et Nanterre est relativement en pointe sur cette question, puisque depuis 2003, comme le rappelait Madame Quillin, cette analyse-là est menée sur Nanterre. La particularité de ce travail-là sur Nanterre, c'est, outre le fait que ce soit mené, c'est que, de façon générale, c'est un travail qui est perçu, qui est considéré, qui est appréhendé dans une perspective partenariale. L'enjeu étant de pouvoir partager, finalement, les grands résultats de l'analyse des besoins sociaux avec les différents acteurs du territoire, ce qui explique aujourd'hui la matinée que nous conduisons. Je vais m'arrêter.
m'arrêter là-dessus, simplement pour vous dire en fait que cette présentation va se dérouler en 4 temps, dont l'objectif est bien, finalement, comme le disait Madame Quillin, de brosser un portrait social général du territoire et des grandes problématiques sociales que rencontre la population. Donc 4 thèmes qui vont nous occuper jusqu'à présent, enfin pendant cette heure de présentation. Tout d'une part, on va faire un focus un peu général sur les questions de pauvreté et de revenus à l'échelle de Nanterre, mais plus largement aussi à l'échelle de l'Île-de-France. C'est un point qui est intéressant en fait parce que c'est révélateur d'un tout un tas d'inégalités à l'échelle du territoire, et il est important de replacer Nanterre finalement dans ce contexte-là. Dans la logique, dans la suite logique de ce premier point, je vous présenterai un portrait synthétique des logiques de l'exclusion sur Nanterre via un indice synthétique que j'ai calculé, qui permet d'apporter une vision relativement fine des espaces d'exclusion à l'échelle de Nanterre. Et puis dans un troisième temps, je m'arrêterai plus longuement sur la question des bénéficiaires des prestations sociales de la CAF. J'y reviendrai tout à l'heure plus en détail, mais on a une source de données particulièrement riche pour appréhender là aussi les phénomènes de pauvreté et de précarité à l'échelle du territoire par le biais spécifique des bénéficiaires des prestations sociales. Et puis enfin, comme la vocation de l'analyse des besoins sociaux, c'est d'être partagée et de faire l'objet d'un travail partenarial, je restituerai les principaux résultats du groupe de travail sur les publics flottants, qui se conduit maintenant depuis un peu plus d'un an et qui n'est pas fini au final. On va continuer à travailler sur cette question-là. L'intérêt de ce travail-là, comme je le dirais tout à l'heure, c'est qu'il a été conduit de façon partenariale avec différents acteurs pour brosser un portrait plus juste de cette population un peu méconnue et difficile à saisir. Donc voilà, donc sur la pauvreté, la question de la pauvreté voilà, va nous permettre de dresser un portrait un peu général des problématiques de revenus, de les objectiver un petit peu, parce que si au quotidien on a conscience qu'on est confronté à des publics précaires, il est important aussi d'avoir des éléments un peu objectifs sur cette précarité. Donc voilà. Donc pour répondre tout d'abord à une question générale qui consiste à savoir qu'est-ce que la pauvreté, il faut savoir que depuis 2008, l'INSEE s'est harmonisé en fait sur l'appareil statistique européen pour considérer que la pauvreté en fait, ça correspondait en fait au fait de vivre dans un ménage dont les revenus sont inférieurs à 60% du revenu médian. Donc le revenu médian, j'y reviendrai un peu plus loin. Le revenu médian, c'est ce qui partage la population en deux. Ça veut dire que 50% gagne plus, 50% gagne moins. Et on est pauvre au sens de l'INSEE, d'un point de vue statistique, quand on perçoit moins de 60% du revenu médian. Donc être pauvre aujourd'hui, c'est percevoir moins de 964 euros par mois. Voilà, c'est être en dessous du seuil de pauvreté. Néanmoins, cette approche-là, elle ne permet pas de bien saisir la question de la pauvreté, en fait, puisque au-delà de la dimension monétaire, qui concerne malgré tout, et c'est un chiffre important à avoir, quand même plus de 8 millions d'individus, soit 13% de la population. Donc ça, c'est les chiffres 2010, donc il va falloir parier que l'effet de la crise va se faire ressentir dans les années qui viennent et qu'on observera une progression finalement de la pauvreté. Au-delà de cette pauvreté monétaire, on a un autre indicateur qui est particulièrement intéressant, en fait, c'est ce qu'on appelle la pauvreté en conditions de vie, et qui est la plus fine finalement pour saisir ces phénomènes de pauvreté et de précarité. Être pauvre en conditions de vie, c'est être confronté à des privations matérielles élémentaires, pour le dire comme ça. Donc c'est le fait concrètement, c'est une série d'indicateurs en fait, c'est le fait de ne pas pouvoir s'acheter des vêtements neufs, c'est le fait de ne pas pouvoir acheter de la viande tous les 2 jours, ou voilà. C'est un ensemble d'indicateurs au final qui permet d'appréhender de façon plus fine la pauvreté au-delà de la stricte dimension monétaire. Et quand on regarde cet indicateur-là, on s'aperçoit qu'en 2010, on avait 3,5 millions d'individus, soit à peu près 5,8% des Français, qui étaient considérés comme étant en situation de pauvreté, de privation matérielle sévère. Donc c'est quelque chose d'important. Et là encore, je le rappelle, l'effet de la crise économique qui était partiellement mesuré en 2010 se fera sans doute ressentir dans les années à venir. Le problème, quand on essaye de s'intéresser à ces questions-là à l'échelle locale, c'est que l'INSEE, qui est l'appareil statistique de référence en France,
pour des questions de fiabilité de données, ne diffuse pas de taux de pauvreté à l'échelle locale. La seule échelle, l'échelle la plus fine dont on dispose pour mesurer ces questions-là, c'est l'échelle départementale. Donc pour remédier à ça, en fait, il y a un bureau d'études privé, le Compass, qui s'est amusé à faire des estimations de taux de pauvreté. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu technique, mais ce n'est pas un taux de pauvreté qui est totalement juste. L'INSEE diffusera un taux de pauvreté à l'échelle locale en 2014, donc l'année prochaine. Mais néanmoins, cette estimation de taux de pauvreté nous permet de saisir un peu comment Nanterre se situe sur ces questions-là à l'échelle de la France. Donc dans un portrait qui visait à étudier les 100 plus grandes villes françaises de France, il se trouve que Nanterre a un taux de pauvreté de 22%, estimé à 22%. C'est-à-dire qu'on aurait 22% de ménages pauvres à Nanterre. Donc ce qui est beaucoup, d'autant plus qu'à l'échelle de la France, ça tourne aux alentours de 13-15%, comme on le voyait juste auparavant. Et quand on replace les choses dans leur contexte local, quand on regarde Nanterre avec son environnement local, il se trouve qu'à Rueil-Malmaison, le taux de pauvreté est de 7%, et qu'à Neuilly, il est de 7% aussi. Alors, il est un peu plus élevé à Boulogne, mais bon, vous voyez aussi dans quel contexte se situe Nanterre. Donc c'est des choses finalement dont on a tous plus ou moins conscience, mais là, on a un élément objectif pour le mesurer. C'est-à-dire que sur Nanterre, on accueille 22% de ménages pauvres, quant à Rueil-Malmaison, on en accueille 7%. Donc voilà, ces estimations ne sont pas forcément encore très justes, ça reste à affiner, mais elles nous permettent, là encore, d'avoir une première estimation de ces questions-là. À titre d'exemple, pour redonner quelques éléments de comparaison, à Saint-Denis, le taux de pauvreté s'est estimé à 35%. À Roubaix, qui est considéré comme la ville la plus pauvre de France, le taux de pauvreté est de 46%. Donc Nanterre se situe dans une position intermédiaire, proche d'Argenteuil et de Colombes, sur ces questions-là. J'insiste néanmoins sur le fait que 22% de ménages pauvres, c'est quand même quelque chose de particulièrement conséquent. Maintenant, quand on regarde cette question à une échelle un peu plus fine, celle de l'Île-de-France, il faut noter plusieurs éléments qui vont nous permettre aussi de mieux situer Nanterre dans son périmètre d'appartenance, l'Île-de-France et plus spécifiquement les Hauts-de-Seine. En Ile-de-France, en 2010, le revenu médian, donc une fois encore, le revenu médian, c'est ce qui partage la population en deux, 50% gagne plus, 50% gagne moins. En 2010, ce revenu médian était de 1 815 € par mois. Donc, c'est-à-dire qu'on avait 50% de la population qui gagnait moins de 1 815 € par mois et 50% qui gagnait plus. Ce qu'il faut noter, c'est que ce revenu médian par unité de consommation, donc peu ou pas par personne, il faut l'entendre comme ça, c'est le plus élevé de France. C'est-à-dire qu'on est en Ile-de-France, dans la région la plus riche du point de vue du revenu de ses habitants en France. Malgré tout, et c'est ce qu'on commence à percevoir un peu sur cette carte-là, plus les zones sont foncées, plus les revenus sont élevés. Vous voyez qu'on a de vraies inégalités en fait, à l'échelle du territoire, avec une portion ouest du territoire qui est particulièrement favorisée, donc toutes les zones noires à l'ouest de la carte, et puis une zone à l'est où les revenus sont, eux, beaucoup plus faibles. Avant de venir sur Nanterre, sur le cas de Nanterre, il faut préciser que depuis 2001, puisqu'on dispose de données depuis 2001 pour mesurer l'évolution des revenus, depuis 2001, on constate deux phénomènes. On constate le fait, d'une part, que les revenus des plus favorisés a progressé très fortement, d'une part, et d'autre part, qu'il a progressé plus fortement que le revenu des plus défavorisés. C'est-à-dire que, pour le dire simplement, d'une certaine façon, les plus riches se sont enrichis plus vite que les plus pauvres, en fait. Donc ça aussi, c'est un élément important, en fait, qui mesure l'impact, l'ampleur des inégalités territoriales à l'échelle de l'Île-de-France et de façon plus large à l'échelle de la France. Inversement, lui, le revenu des plus pauvres, s'il a de façon tendancielle progressé, dans certaines zones, dont Nanterre, dans certains coins de Nanterre, notamment Parc Sud et au Petit Nanterre, le revenu des plus pauvres a diminué. Le meilleur exemple qu'on peut donner là-dessus, c'est le revenu des plus pauvres en Seine-Saint-Denis, qui pendant cette période-là a diminué de 2%, en fait. C'est-à-dire qu'en Seine-Saint-Denis, et dans une certaine mesure aussi sur Nanterre, le revenu des plus pauvres a diminué. Donc quand on regarde Nanterre par rapport à son environnement général et territorial, quelques chiffres qui vont vous permettre de bien saisir l'ampleur des écarts et de la situation spécifique de Nanterre. À Nanterre, si le revenu de l'Île-de-France est de 1 815 € par mois,
le revenu médian à Nanterre est inférieur de 400 euros. Il est situé à 1412 euros par mois. Donc c'est un revenu médian qui est inférieur à 47% à celui des Hauts-de-Seine et de 26% à celui de l'Île-de-France. Donc ça nous montre bien à quel point Nanterre est une commune un peu spécifique, dans les Hauts-de-Seine notamment, par rapport à son environnement général. Deux, trois autres chiffres importants pour saisir cette question des revenus de la pauvreté. Le premier décile, en fait, c'est les 10% les moins favorisés. C'est le revenu le plus haut que touchent les 10% les plus pauvres. C'est-à-dire qu'il y a 10%, en fait, pour le dire autrement, il y a 10% de la population qui gagne moins que le niveau du premier décile. Donc concrètement, à Nanterre, en 2010, on avait 10% de la population qui gagnait moins que 423 euros par mois. Donc ça, c'est un peu biaisé parce que c'est un revenu hors prestation sociale, c'est simplement un revenu fiscal. Mais malgré tout, ça donne une indication assez forte sur le niveau de précarité de la population. À titre de comparaison, le premier décile, donc les 10% les plus défavorisés à Rueil-Malmaison, percevait moins de 1018 euros par mois. Donc on voit l'ampleur des écarts qui existent entre Nanterre et son environnement général. Donc je ne rentre pas plus sur ces questions-là, parce qu'elles sont davantage développées dans le document que vous avez eu. Simplement maintenant, descendre encore d'une échelle d'observation, on était à l'échelle de la France, on s'intéressait à l'Île-de-France, à Nanterre. Maintenant on va s'intéresser au quartier de Nanterre, et voire même au sous-quartier de Nanterre, ce qu'on appelle les Iris, pour montrer qu'en fait, au sein de Nanterre, on a des grandes disparités de revenus et de conditions de vie au sein du territoire. Là encore, sur la carte, plus les zones sont foncées, plus les revenus sont élevés. Et ça nous permet de voir en fait qu'on a deux espaces principalement très favorisés sur Nanterre, que sont le centre, le quartier du centre dans lequel on se trouve aujourd'hui. Et l'espace particulièrement dans lequel on se trouve aujourd'hui est celui où les revenus fiscaux sont les plus élevés, d'une part, et d'autre part, le quartier du Plateau Mont-Valérien, en fait, qui est un des quartiers les plus aisés de Nanterre, avec des revenus particulièrement élevés, notamment tout au sud du Plateau Mont-Valérien. Et la spécificité de Nanterre, en fait, contrairement à d'autres villes, comme Rueil-Malmaison, où les choses sont quand même plus lissées, la spécificité de Nanterre, c'est qu'à côté de ces situations relativement favorisées, se trouvent des situations de très grande pauvreté. C'est des choses qu'on connaît tous, des constats qu'on connaît tous, mais là encore on a des éléments un peu objectifs pour les mesurer. Vous voyez au petit Nanterre, donc la zone la plus claire en haut, où on a des revenus très faibles, et au niveau du parc sud également, et du chemin de Lille, où on a des revenus particulièrement faibles. Donc concrètement, ça veut dire qu'on a des revenus médians qui varient de 710 euros par mois à 2540 euros par mois. Donc ça donne une idée finalement des grands écarts que traverse la commune finalement et qui sont importants à saisir. Donc voilà sur cette question-là. La diapositive suivante en fait a permis de dresser un portrait un peu conclusif de cette question-là pour montrer en fait que Nanterre a un profil un peu spécifique en Île-de-France, au-delà des disparités territoriales qui la traversent en matière de revenus. En matière de configuration territoriale de façon plus générale, Nanterre a un profil bien spécifique en fait. Il correspond à ce que l'INSEE appelle des territoires productifs et modestes. Pourquoi productifs ? Parce qu'on le sait tous, Nanterre aussi accueille un vaste tissu d'entreprises, dont une partie du pôle de la Défense, mais au-delà, tout un tas d'entreprises finalement particulièrement importantes, avec une spécificité, et c'est là le point important, c'est que la population de Nanterre ne profite que très peu, finalement, de ces emplois qui sont créés. Ces dernières années, beaucoup d'emplois de cadres ont été créés sur Nanterre, et la population nanterrienne, qui est avant tout modeste, avec une forte proportion d'ouvriers et d'employés, ne profite que très peu de ces emplois-là. Donc c'est un profil qu'on retrouve, vous voyez, donc les zones rouges, on retrouve aussi Trappes, Argenteuil, il y a une grande partie du 93 aussi qui présente ce profil-là, d'être productif avec beaucoup d'entreprises et en même temps d'accueillir une population modeste qui ne profite pas nécessairement de ces emplois-là. À titre d'exemple, seuls 3000 Nanterriens travaillent à la Défense. Voilà un peu sur cette question-là. La diapositive d'après permet de détailler un peu ce constat-là, donc je vais passer rapidement là-dessus.
pour m'arrêter maintenant, après avoir posé cette question des revenus, pour m'arrêter maintenant sur la question de l'exclusion, en fait, de façon plus générale.